Ça va être bon. Y a pas de retour. Bon, mais c'est bon. Mohamed t'appelle. Allez, vas-y, dégage. Par la porte. Par la porte. Bon, en fait, c'est même pas fait exprès. Je tombe sur un tournoi fight play. Ça va être cool. Je vais streamer mes matchs et les matchs phares. Enfin, les matchs les plus. Ouais, ça commence. Allez! Tombe contre qui? Donc, tour 2. Toi, cac. Putain, Dalsim de merde. Je le connais pas. Mais c'est quand même un Dalsim. C'est parti, hein. Je vais faire. Toi, je viens pas. Bon, attends, qui c'est qui est en train de jouer là? En fait, c'est moi qui commence en premier là. C'est poule par poule ou pas? Je sais même pas si c'est poule par poule là. Non, en fait, chaque poule a fait son délire. Bon, on verra. Bon, toi, cac, il est là, mon adversaire, toi, cac. Tiens, il a... Oh là là. Bon, si je suis bien l'ordre, donc je dois jouer contre lui. Ouais, si c'est ça. Ah ben, je vais l'inviter alors. Ouais, mais c'est bien ça. Allez, c'est parti. Allez, tag life. Ah, bravo.
Ah! Ah putain, j'ai pas vu le temps. Putain, je joue mal là, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais de la merde. J'ai fait vraiment de la merde, c'est un truc de fou. Ah, lâche-moi. Putain, je fais de la merde. Fait longtemps que j'ai pas joué, c'est mortel. Oh, Marine Tech. Je sais même pas c'est en combien de matchs cette merde. Mais pourquoi il me chope lui? Putain, mais j'arrive pas à jouer, c'est un truc de fou. Oh putain. Et voilà, je me fais choper encore une fois. Dégage. Oh! Va te faire foutre. Quelle merde. Va te faire foutre. On n'a même pas joué, qu'est-ce que c'est cette merde là. Bon les gars, désolé, mais streaming avec des insultes. Hein. Bon c'est du gaulois, hein. Désolé. Putain, je sais même plus, j'avais même pas joué. Ça fait un que j'ai pas joué. Bon, il faut que je mette que j'ai perdu. Donc j'ai perdu. C'est là où il faut que j'appuie. Vous confirmez défaite contre 3-4, oui, ok. Bon, il y a quelqu'un qui m'invite, c'est Zaggy. Est-ce que c'est contre Zaggy qu'il faut que je me batte? Ouais, allez, c'est parti. Ça, c'est réglé. Hop. Allez. Yo. Ouais, il a une bonne chaîne, lui. Moi, ça fait un que j'ai pas joué, putain. C'est de la merde, j'ai mal joué contre Sim là. Je fais trop de la merde de toute façon. Moi mes premiers matchs, c'est toujours de la merde mes premiers matchs.
Ah! Oh là là, double carreau. Bon là, ça commence à venir le jeu là, parce que... Ah oh, putain, mais regarde tu. Oh là là. La chauffe de la mort, de la muerte. Ah! Je me fais choper. Je m'en trop fâche. Dégage. Désolé, je suis en live, mais j'oublie que je suis en live. Des fois, j'insulte, mais c'est pas, ça vient pas du cœur. C'est nerveux. Voilà, pour la personne qui est en face de moi et que j'insulte, je l'insulte pas elle. En fait, je m'insulte à moi. Ah en train de revenir le jeu, mais bon, galère quand même. Putain, le sim là, c'est pas normal. J'ai perdu là, c'est pas normal. Tu fais de la merde, comme d'habitude. Oh putain, mais regardez-moi ça! Au secours! Qu'est-ce que c'est ce truc? Non mais le type, j'ai mangé 1000 pieds et une chope. Et je suis mort. C'est le pire. Ouais, on la connaît celle-là, on la connaît, on la connaît! La quenelle, la quenelle! La ceinture! La fuite, la fuite! Oh! Chope en l'air! Air chope! Ah, lâche-moi! T'as vu comment j'ai fait de la merde? Voilà que c'est un truc de ouf! Bon, là il faut que je joue bien là, parce que... Oh! Cross-up le gros point! Je connaissais pas ça. Là, je suis vénère là. Au-dessus, c'est le soleil. Prends soin de la ceinture qui se glisse dans ton huc. Ah, ça y est, t'as vu ce que j'ai fait? T'as vu comment j'ai fait de la merde? C'est un truc de ouf. Je fais trop de la merde! Putain, jouer en streamant là, franchement, je déconseille maintenant. Franchement, c'est la folie. Et voilà.
Oh! Voilà, bravo! Bon, comme ça, je pourrais streamer tranquillement. Parce que là, c'est où il faut streamer, où il faut jouer. Ça, les gars! Tiens, en plus, Zaggy, je le connais, j'ai l'habitude de jouer contre lui. Une bonne Chun-Li. Bon, maintenant, je vais streamer. J'ai perdu là. Enfin, c'est fini là. Attends, là, j'ai perdu. Ça fait. Là, je suis de la merde. Perdu. Ah non, il reste encore Dave 35. Bon, Dave 35, viens par ici, comme ça c'est réglé. Dave 35, viens, s'accroche. Ah, il est là. Allez, vas-y. Donc, voilà. Pardon, excusez-moi. Yo, yo, bon, ça c'est un pote. Ah, j'ai pris Ryu. Putain, j'ai pris Ryu, mais qu'est-ce qui m'a pris? Allez, une deuxième Chun-Li. J'entends le retour du streaming qui me pète derrière. Ça c'est ma phase c'est pas bien, voilà. Hagra, putain, mais ça fait du fou. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi je mange la super? C'est ce délire. Là là, putain. Voilà. Non! Putain. Je sais pas les gars si vous trouvez le streaming bien. J'ai bricolé ça juste avant là. Enfin, ça fait 2 jours que j'essaie de streamer. Alors, si y a un truc qui va pas, vous le dites, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Tiens, la même. Oh putain, pourquoi j'ai fait ça?
Ah putain, merde. Non. Non, mais regarde-moi ça, putain. Premier shop, je vais perdre tous mes matchs. C'est un truc de fou, je vais perdre tous mes matchs. Ah, il faut que je reprenne 2x là, c'est trop longtemps là, c'est pas bon. Putain, j'ai perdu t'as ça. Putain, mais heureux ce que j'ai raté là, putain, tout. Oui, t'as intérêt de faire ça parce que sinon. Allez. Putain. Mais non. Mort, tes conneries. Oh, j'ai perdu tous mes matchs, c'est un truc de fou. Tellement que je suis trop un sac, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Putain. J'arrive même pas à faire Shoryuken. J'arrive même pas à faire Shoryuken. Ah là là, bravo. Bravo, les gars, ici, Mashta. Bon. GG. Parfait, t'as ça. Bon, attends, le prochain match qui déchire, c'est. Bon, je vais essayer, les gars, de choisir des matchs qui sont interesting. Bon, là, j'ai perdu tous mes matchs. Bon, je vous déconseille de faire du streaming en même temps que faire des tournois. C'est trop fatch. Excusez-moi, j'ai roté. Attends, ils ont tous fait leur match. Bon, il y a quoi là? Bon, il y a quoi? Il y a Max versus Abdel. Allez, on va regarder ça vite. Max versus Abdel. Allez, c'est parti. Allez, lâche-toi. Oh, les gars, si vous voulez, s'il y a des matchs en cours que vous voulez voir, vous me le dites. Enfin, si ça se lance, hein. Allez, lance-toi. GGPO pourri. Bah c'est de la merde, ça marche pas. Un deux four. Attends. Je sais même pas si Orf il fait le. Non, c'est pas le tournoi. I don't know. Marine Tech, on va regarder ton match, t'es. Allez. Ah, c'est lui, c'est avec lui que j'ai perdu.
Bon, normalement, tu vas le déglinguer. Enfin, bon, t'as un versus. Il y a un versus là. Là, il y a un versus. Parce que Dalsim, il est bien. Allez, c'est parti, ça zone dans la boule. Voilà, super, à travers les eaux, de la viande, de la Somalie. Allez, c'est parfait. Ah, chacun sa chope, c'est parti, et voilà. Ah, les deux, ils ont une chope terrible. Donc, faut faire attention. Allez, allez, ça zone, tac. Il faut pas lâcher là, c'est simple là. Allez, dash trade, dash low. Headbutt, shop, 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 shop. Fais gaffe, il a chargé un truc. Et il a rien à charger puisque c'est pas un perso à charge. Allez! Bon, Maritech, il est vénère là. Alors là, il s'est vénère direct. La deuxième round là, Maritech, il a pas joué. Allez! Ouais, en fait le saut HK, je crois que c'est le saut HK là pour le péter là au deux. Ouais, voilà. Je sais pas si c'est HK ou c'est autre chose. Allez, là, bam, bam, bam. Ouh là là, il est pas stun. Ouh là 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 là. Ah, purée. Ben c'est ça. Hein. Marine Tech, il doit être dégoûté parce que ça c'est de la merde. Enfin, franchement, c'est super bien joué du Dalsim. Hein. Il a assuré. Il a sorti la super bien comme il faut. Allez, bon, on attaque, c'est toujours la même. Boxeur qui attaque mais vénère d'entrée et ça fait mal. Un headbutt à travers son cou. Allez, c'est parti, zoning. On le met sur le coin. Ouh là là, il a mangé la super en full. Donc là, ah, il se fait choper. Fais attention là, parce que ça va glisser, ça va choper. Ça... Ah, même pas. Bien joué. Allez, Marine Tech qui se vénère. Terre. Faut le mettre dans le coin. Un dash low et bah c'est bon, il est dans le coin. En 3 secondes, il est déjà dans le coin. Donc maintenant, voilà, voilà, ça. Attention, il a réussi à te choper, ça c'est incroyable. Il y a une super qui va se perdre ici, de là. Charge partitionnée, oui! Alors là, je sais pas pourquoi il a fait Yoga Flame, mais là, il aurait jamais dû le faire. Allez, bon, ben, c'est le. Un set chacun, je crois. Un match chacun, je crois, ils ont gagné là. Allez, déjà dans le coin. Entre deux temps, trois mouvements, il est déjà dans le coin. Là, maintenant, comment il va s'en sortir? Il peut pas s'en sortir, c'est fini. C'est bonsoir, va t'asseoir. Et bonsoir, va t'asseoir. Ah, un boxeur, il rigole pas. Hein. En deux coups, il te met dans le coin et après, il te déglingue la face. Allez, deux coups, trois coups. Ça, il est dans le coin. Hop, par terre, saut. Okudzeme de la mort, du 2X, de la mort. Allez, il a réussi à s'esquiver, même si quand même risqué. Il est re dans le coin en 3 secondes. C'est mortel quand même. Hein. Ah, là, dommage pour le Dalsim, là. Parce qu'il voulait faire après le drill là. Eh bien, c'était bien joué de la part de Marine Tech qui a remporté sa victoire. Ah, mais ce sac de Marine Tech en fait, il joue même pas dans le tournoi. On va mettre des matchs de tournoi quoi. Bon, après on revient à Marine Tech, on va te voir. Je croyais que c'était un match de tournoi, espèce de sac. Donc, Max contre Chromium. Je sais pas si c'est un match de tournoi ça. Il y a du monde qui regarde. Allez! Donc, Max, l'ancien Toulousain qui maintenant il est dans le nord de je sais pas où. On va voir s'il joue toujours aussi bien. S'il a sublimé Camille comme il le fallait.
Ah, mais il sait les jouer. Ouh là là, qu'est-ce que ça fait mal, Crossdown. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu peux rien faire. Tu peux pas. Tu peux pas test. Au-dessus, c'est le soleil. Allez, bon, bah apparemment. Attends, je sais même pas si c'est un match de tournoi ou pas. Je ne sais point. Oh! 3 hit stun! Ah, il a raté! Sinon, ça aurait été 3 hit mort. Ouh là là, à travers la boule. Oh, mais il est chaud, le max là. Hey, cross down! Cross down! Magnifique match. Là, on assiste vraiment à un jeu digne des meilleurs joueurs de français. Mais tu peux rien faire, hein. Elle a une aura d'enfer. Quand elle avance vers toi, Camille, c'est la folie. Et voilà, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est pas magnifique. Anti-air, cross down. Un petit anti-air, passe derrière, tac, cross down, c'est fini. Et il y a un rush kit de la mort. Bon, apparemment, on est en tournoi là. Bien joué, bien joué, bien joué. Attends, je vais regarder le tournoi où ça en est. Parce que là, par rapport au tableau, bon, moi je me suis fait éliminer comme un sac. Donc là, c'est Abdel contre Estali, Kaisukeyan, Kuni Street Music. Kuni, il est déjà en quart de finale. Vélo Lulu, Gavroche, Dap35. Bon, il est passé, Sinoman. Mais il y a ceux qui n'ont pas encore fait. Ah, ben Max Chromium, il est passé. Ouh là là, le prochain match, il est terrible. Max contre Yassine. Ah, ça va être bien là. Le prochain match, il va être tendu. Enfin bon, je vois pas Yassine de connecter. S'il y a Max ici et Old Yassine. Il n'est pas connecté. Enfin, en tout cas, je le vois pas là-bas. Dans la liste. Peut-être qu'il est en train de faire un match, peut-être. Aerocommande versus Noodless. Ah voilà. Putain, j'espère que ça va marcher. Oh putain, ça marche pas. Mais pousse-toi! J'arrive pas à regarder le match de Max contre Yacine, j'arrive pas. C'est assez chiant. Ah, je crois qu'ils arrivent même pas à jouer eux-mêmes. Ah, en fait, ils n'arrivent même pas à se rejoindre. Ah, ils vont cross. Toujours pas, ils n'arrivent pas à se rejoindre les deux acolytes. Et ça fait bien chier. J'ai bien envie de mettre un autre match, mais j'ai pas envie de rater celui-là.
Donc attends, tac 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 tac. Max 31 versus Old Yacine. Hop. Bon, ça va marcher ou quoi? Ah mais ça veut pas hein. Truc de ouf. Allez, 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 allez. Ouais, mais là, ils arrivent pas à rejoindre, donc je vais mettre un autre match. Ils arrivent pas à se rejoindre les deux. Ils sont pas. Attends. Voilà. Ils tentent encore. Ça veut pas. Donc tant pis. Donc par rapport au tableau, il y a qui là? Il reste qui? Aero Rockman, Nadless. On va voir s'ils sont là. Aero, 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 Tag Life. Aero Tag Life, il est où? Aero Tag Life. Décoroco, Décoroco, Max, Décoroco. Aerocommand, bon, il est en ligne. Bon, il faut vraiment un Décoroco là. La 35. Allez, ils ont retenté, on va voir. Non, toujours pas, c'est mort. C'est mort. Donc c'est mort pour putain, ça c'est chiant. Donc il y a quoi comme offre marché? Vélo Luffy, non. Kuni, Vélo Luffy, Keisuke, ouais. Ouais. Kuni, Vélo Luffy. Kuni, Vélo Luffy. On va regarder ça. Ryu versus Ryu. Ah ouais. Bon, je sais pas où ça en est là. Combien il y a? Ah ben c'était le dernier. Donc c'est Kuni qui a gagné? Max Oliassine, je sais pas. Non, toujours pas. On fait comment là? Oliassine et Max 31 n'arrivent pas à jouer ensemble. Et bien là, vous allez être éliminés les deux, les gars. Là, il y en a un qui va. Et bien, vous jouez sur 2D, 2DF. Non, comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle comment le truc là? Il a win, Aero? Mais non. Là, dans le tableau. On est là, mais moi je suis un sac. On est là, non, ça c'est les non, ça c'est les losers.
Plusieurs braquettes. Ouais, des matchs de loser. De Donc c'était Vélo Luffy qui avait gagné contre Kuni. Et là, les matchs qui restent, là, il n'y a toujours rien. Alors, le DSC Max que j'arrive pas à suivre. Et normalement, il y a Aero qui va jouer contre. J'arrive toujours pas. Putain, c'est dommage. C'est quand même de la... Si ça tue, GPO, mais des fois, c'est vraiment de la merde. Bon, c'est tout ce qu'on a. Hein. Non, franchement, faut déchirer. On va lancer un qui est en cours là. Max, tu challenges Alt, Alt, t'acceptes pas, tu challenges Max, Max, là, t'acceptes. On fout, il a tout expliqué. Après Alt, tu acceptes le challenge. Je déco et reco, toi, tu es online. Je vais voir ça. En fait, là, je suis en train de lire le chat de GGPO. Même si, en plus, je peux vous le mettre, le chat de GGPO, si je veux. Là. Je fais ça. Voilà. Là, vous avez le chat de GGPO. Sakoyaro. Connected. Donc, Zaggy, la chaîne dit que. Ah, il a bien joué. Il s'est qualifié, je crois. Donc, il a gagné son match. J'aurais dû le mettre parce que c'est un bon joueur. Si je me trompe pas, c'est un joueur qui a progressé très, très rapidement. Donc, vous avez le winner Zaggy. Donc là, Aero qui va jouer, je crois. J'ai vraiment envie de voir ce match là. Max 31 contre Oliassim. Ça m'intrigue. Et bien ça marche avec XGamer aussi. Les deux ils se kiffent pas. Oui, ça marche. Et bien retentez, faites cross challenge. Bon, désolé, j'ai pas de super animation. Moi j'anime pas grand chose. C'est mon premier stream sur 2X. Enfin, mon stream en ligne. J'ai déjà commenté de temps en temps. Mais voilà quoi. Tag life, comme dit Tupac. Donc là, on attend en fait les matchs les plus intéressants qu'on va lancer. Et si match, on va vérifier s'ils arrivent à se rejoindre les deux là. Si c'est le cas, c'est cool. Si c'est pas le cas, ben c'est vraiment pas cool. Putain, on peut pas voir leur match là, ça me fait chier. C'est un truc de ouf. En plus, j'ai peur de mettre un autre match et de rater ce match. Curé. Ah, c'est relou. Là, ils sont à 10 tentatives, ils n'arrivent pas à se rejoindre. Ils devraient choisir. Alors, je sais pas comment ils vont faire, comment ils vont s'organiser. Moi j'aimerais bien mettre un autre match. D'accord, on va mettre.
En plus, tous les matchs sont en attente là. Ah, purée, là, il y a un bon match. Zaggy versus Vélo Luffy. Allez, c'est parti. La super, qu'est-ce qu'il va tenter? Ah, il utilise très bien son zoning, Zaggy. Les anti-airs, parfait. Vraiment très bien joué. Allez, c'est parti. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouh là là! Un chacun! Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a des synchros, je crois. Ouais, des synchros. Il y a des synchros, donc je relance. Ça fait chier carrément. Donc, hop, hop. Donc, le match pour Zaggy. Le premier match gagné par Zaggy. Il a une très bonne Chun-Li. Franchement, j'ai joué des heures et des heures contre lui. C'est impressionnant. Je ne le connaissais pas avant. Le zoning avec le HK, excellent. Les anti-airs qu'il utilise, ils sont excellents. Bon, il gère bien la chope. Au départ, quand je jouais avec lui, il chopait pas beaucoup. Et là, en fait, il a compris que la chope, c'est la vie. Surtout avec Shandy. Voilà, l'anti-air. Cet anti-air, il l'utilise à la perfection. Ah, là. Je sais de quoi je parle là. Avec un Shoto, avec Ken. Même si j'ai des petites phases qui sont bien pour Chun-Li, et bien quand même, j'ai vraiment, je galère grave. Là, bam bam saut, full punition. Merde. Ah, là le zoning, le zoning, le zoning. Ouh là là, il a mangé. Là, il faut pas qu'il perde son sang-froid. Que Vélo, il a un super Ryu. Hein. On a dit. Hein. Là, dans les phases, dans le zoning de loin. Ah, le saut, il saute quand il faut en plus. Aïe, 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 aïe. La phase. Un saut, mix-up, safe jump. Nickel de Vélo Luffy. Le safe jump, il était parfait. Allez, le troisième match. La belle. Qu'est-ce qui va se passer? Là, si je me trompe pas, ils sont en quart de finale, là. Oula, c'était chaud. Allez. Ah, super, j'ai pas mangé dans l'intégrale. Ah, l'entière là, ouais, c'est vrai que des fois il sort pas comme il faut. L'entière, ouf, ouais, c'était oh là là, le Shoryu, il est parfait. Aïe aïe aïe, il a mangé, il a mangé, il a mangé. Tag life, l'entière, l'entière, là, c'est chaud. Ah, là, c'est vraiment chaud. Bien joué, parce que la chope là, si elle aurait pas cette chope, Chun-Li, ça va faire avoir. Là, c'est serré, hein. C'est vraiment serré. Hein. C'est intéressant ce match. Et voilà, l'anti-air au HK, au phare HK. En fait, elle a plusieurs anti-air, des closes anti-air et des phares anti-air. Ah, une Chun-Li bien jouée, franchement, c'est impressionnant. Allez, là maintenant, il a la super. Changement de stratégie, il faut faire attention. Là, les boules de loin, là, c'est fini. Ah, maintenant, les deux, ils ont la super. Donc, changement de programme pour les deux côtés. Qui c'est qui va lancer sa super? Le premier, il a raté. Oh, la chope. L'anti-air, mais vraiment parfait. Franchement, rien à dire. Aïe, aïe, aïe. Le cross-up, il était pas bon. Ne pas lancer la super. Aïe, 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 aïe. C'est bon, tu gagnes.
Tu gagnes. Gère. Il va sauter. Non! Oh là là. Mais pourquoi? Tu gagnes. Il reste 2 secondes. Bien joué pour Vélo là. Il a eu de la chance, franchement. Là, c'était vraiment de la chance. Il a raté son cross-up. Donc, la phase. Il y a différentes façons de jouer. Il n'y a pas les super, il y a une façon de jouer. Le zoning. Et après, dès qu'il y a la super, tout change. Donc maintenant, il y a la super, il y a bientôt la super des deux côtés. Et voilà, la super, elle est crashée d'un côté. Maintenant, changement de stratégie. Le Ryu, il faut qu'il fasse attention. Maintenant, il n'y a plus de super, ça recommence comme au début. Allez, un zoning au bout, des deux côtés. L'autre, il cherche sa super, il a tout compris. C'est à chacun sa super. Dès qu'il y en a un qui a la super, l'autre est obligé de changer de stratégie. Et la chope de Chun-Li qui est vraiment. Ouh là là, dommage! Là, ça aurait été fini! Il l'a chopé quand même! Mais qu'est-ce que c'est cette chope, Chun-Li? C'est un truc de ouf! C'est quoi cette chope? Les Zagi qui se qualifient en fait. Hein. Donc là, il se qualifie et il est en finale winner. Donc final winner contre ben, on attend un Max et Old Yacine. Donc Aero Rockman il a gagné son match contre Noodles. Et il attend ou Max ou Old Yacine. Mais apparemment Max et Old Yacine. Ah si il y a Max. Il y a Max contre Old Yacine, c'est quoi ce délire? Et ouais. Alors il y a Max contre Old Yacine maintenant. Max contre Aero Rockman. Alors, est-ce que ça veut dire que le match Old Yacine Max, eh bien, il a été fait et que je l'ai raté alors que depuis tout à l'heure je l'attends? Oh là là. Bah, je vérifie sur le tableau. Et ouais. Donc je sais pas s'il a été fait. Mais en tout cas, je l'ai raté. Allez, c'est parti. Donc, un super match. Max 31 contre Aero Rockman. Le meilleur joueur français de Street Fighter 2X. Aero Rockman. Enfin, en tout cas, dans les classés. Et dans les tournois internationaux, nationaux. Il est allé très loin. Allez, c'est parti. Il est chaud. Oh, la super. Oh là là, la super. La super. Un Shoryu pour esquiver. Ah, Max, quand il s'approche, il a une aura, il fait peur. Franchement, il n'y a rien à dire. Il s'avance, ça fait peur. Donc là, c'est parti. Et là, il lui met la pression quand même. Et là, il est chaud, là, le aéro. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Allez. Sa zone, excellent. Ça, c'est pas punissable. À bonne distance. Ouh là là! Voilà. On a l'impression que ça met du temps, mais non. Non. Quand ça vient, ça vient. Et tout d'un coup, tu te retrouves ciselé, chopé. Je suis en train de faire un truc. Donc le premier match est pour Max. Allez, c'est reparti. Deuxième match. Aero versus Max 31. La meilleure Camille française versus un des meilleurs Guile français. Ah ben voilà. Chope en l'air. Chope en l'air versus chope en l'air. Eh ben, c'est Guile qui gagne. Oula. Oula, entière là. Je sais pas d'où j'ai sorti, de nulle part. T'aimes les sauts sur place quand il. Franchement, il faut les voir. Il arrive à sauter parfaitement les boules. C'est impressionnant. Donc là, il y a l'avantage là. Le gars, il arrive à zoner bien comme il faut. Il a réussi à le repousser. Donc, en fait, le but, c'est ça. C'est repousser Camille. Parce que Camille, quand elle s'avance, elle s'approche, elle s'approche, elle s'approche. Elle te lâche pas, elle te met dans le coin tellement. Elle se déplace très vite. Allez, c'est parti. Sonic Boom. Ouh là là. Là, Max, il faut qu'il fasse attention. Parce que il prend. Aero, il est en train de prendre le contrôle du match. Le zoning, tout y est là. Donc là, il faut pas déconner.
c'est un mur. C'est un mur. Gaël, quand il est bien joué, c'est un mur. Et là, maintenant, il est par terre. Même dans le coin, Gaël, il est tranquille dans le coin, Gaël. Et voilà, c'est un mur. Oh là là! Ça, c'est très bien joué. Mais non! Tu gagnes, recule! Et voilà, un match partout, la belle. Allez, pour la belle, c'est parti. C'est vraiment. Chacun joue à fond. Gaël, il a vraiment mis un mur entre lui et son adversaire. Ouh là là, qu'est-ce que c'est magnifique, c'est un kit combo. Donc là, Camille, là. Voilà, il est dans le coin, mais là, il va falloir une phase. Parfait! C'est magnifique, rien à dire. 3 combo, mort. Le cross down de Camille, elle se déplace tellement vite qu'elle peut passer en dessous et se mettre un combo stun, un combo mort. Donc là, il a réussi à casser le zoning de Gaël, à casser les distances. Donc le but, c'est de casser les distances et après de lui bouffer le cerveau. Allez, c'est parti, bam. Ouh là là, décolle la chope. Qu'est-ce que c'est magnifique. C'est safe en plus. Après la chope, il met gros points. En fait, c'est safe. Ah, la chope. Allez, et ce bas médium qui traverse le ciel, la mer et les étoiles. Ouh là là, là il faut faire attention! Et voilà, un retiré, c'est vraiment très serré. Mais c'est à un cheveu. La moindre petite erreur et bam! Allez, c'est parti! Oh là là, Loki aimé du début. Le bas médium de Gaël aussi, même s'il est plus lent que celui de Camille, mais il touche très très loin. Et ça crée une défense. Gaël, ça lui fait une défense. Oh là là, il a raté le combo, mais c'est mort, c'est gagné. Jouer le dégât à la chope à la fin. Magnifique. Victoire de Max. Donc, il se qualifie. Magnifique. Rien à dire. Donc, Max qui va affronter DAF 35. Donc, je vais regarder si le match de Zagi Veloluchi, ah non, c'est déjà fait. Donc le prochain match c'est DAF 35 contre Max. Très très bien joué. C'était vraiment très serré. Mais ouais, il y a une aura supplémentaire. Enfin, il y a quelqu'un qui a une aura plus forte que l'autre vers la fin. Le décalage chop, pour l'instant, il était osé. Et voilà, Max a remporté la victoire. Donc le prochain match, ce sera Dave 35 contre Max 31. Le coup était horrible. Ah, la connexion était horrible. Merde. Ah ouais, nous on a la retransmission, mais en fait on n'a pas la même. Ce qu'on voit nous, c'est pas ce que eux voient en jeu. Donc c'est possible que c'était. Bon, c'est le risque du métier de joueur de Street Fighter. Ah bon? Yacine, il dit qu'il a pas vu sa famille. Ah. Non, non. Donc, c'est parti. Prochain match, c'est Max 31 versus la 35, mais Dave 35. Moi, je vous ai pas montré les losers. Parce que ben, c'est des losers. Et moi je suis le pire loser, parce que je suis même pas un loser, c'est ça le pire. Bon. Donc normalement c'est DAF 35 contre Max, donc il a été lancé. Donc je vous montre ça de suite, c'est parti. Oh, j'espère que ça va pas merder. Ça suffit.
Oh purée, déjà ça n'a pas marché. Bon. Bon, tentez. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ce qui compte, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Non, non, non. Grim ira puce. Je suis désolé, je stream, donc ça ne va pas être possible. Ah, c'est bon. Non, ça a bugué. Non, c'est bon. Donc allez, c'est parti. Max 31 versus Dab 35. Donc c'est le quart de finale. Je vérifie ça tout de suite. Donc c'est... Non, non, c'est une demi-finale. Allez, c'est parti. Donc Camille versus Chun-Li. Allez, c'est parti. Donc direct, la Camille, elle avance, elle avance, elle la met dans le coin, bam. Oh, magnifique. Oh là là, mais bas médium en entière, c'est quoi ce délire? Ah ouais, ça c'est le saut médium qui casse tout. Il casse le rolling de Blanca, il casse tout. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais franchement. Putain, mais je sais pas, c'est de la chance mélangée avec de la dextérité, mélangée avec je sais pas quoi. Ouais, mais c'est bien gardé. Et là, toujours cette chope qui arrive de nulle part. Tu la vois venir. Tu penses que tu peux l'arrêter, mais tu peux pas l'arrêter. Parfait. Dès qu'elle la chope, Chun-Li, elle en a tout. Quand même, sa chope, elle est vraiment pétée. Même si Camille, elle a une chope vraiment parfaite aussi. En plus, elle te met au sol juste devant. Un petit Okizeme et c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? La super de Chun-Li, quand est-ce qu'elle va sortir ici pour gratter? Elle est bel et bien sortie ici pour gratter. Allez, le premier round pour la 35. Et cette chope, mais elle est vraiment phénoménale. Elle a même des chopes en l'air, des chopes sur terre, mais en l'air. Oh là là! Ah, il est pas passé en cross-down. Voilà, il l'a dans le coin là. Oh, reversal. Je sais pas comment ça s'appelle. Et vous avez vu, je vous dis, là. Après l'absurde kick de la de Chun-Li là, elle chope après. Le problème c'est que la hitbox de Camille elle est spéciale, elle est vraiment spéciale. Si tu la colles à la relevée et que tu mets des lights, eh ben ça passe à travers. Et parfois tu chopes, et eh ben ça chope pas. C'est pour ça qu'elle a pu mettre bas médium et les trucs. Donc ça c'est des bugs de collision de la hitbox. Et ça c'est vraiment dégueulasse. Et ça il y a la même avec l'eau. Claude, c'est pareil quand t'es trop près, il met un coup et t'as son hitbox qui se décale et en fait tu le touches pas. Et la chope, dès qu'elle la chope, qu'est-ce qui va se passer? Et cette chope que tu vois même pas arriver alors qu'elle est toute simple, et voilà le parfait setup! Et voilà. Donc, déjà, le premier match il était pour Max. Premier round du deuxième match pour Max aussi. Donc, toujours en train d'avancer la Camille, c'est impressionnant. Quand elle avance avec la vitesse où elle se déplace, t'as peur. Elle fait peur. Oh là là, la super, elle est sortie. Et oui, il faut pas rater son combo. Les links ratés, et voilà que tu manges une super dans les dents. Et un partout, un round chacun. Allez, c'est parti, ça décale. Elle est déjà dans le coin. La chope de la mort qui est de... Franchement, ça passe à travers les boules, c'est-à-dire. Hop. Et hop, ah, là vous avez bien vu, elle a chopé le silly fan kick, je sais pas quoi là. Le air flip kick de Chun-Li ou je sais pas comment ça s'appelle. Et dans le coin, la super, quand est-ce qu'elle va sortir? De là, elle est pas sortie ici, elle va sortir là ou non? Ouh là là, reversal Shoryu, parfaitement exécuté, au bon moment t'as ça. Et voilà que ben, la finale, Zaggy versus Max. Donc la finale winner, Zaggy versus Max. Mais avant, si, je sais pas comment ça se passe. Oui, ça se passe comme ça. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que Kuni, qui vient de gagner face à Saïmonax,
Donc qui est qualifié en demi-loser. Donc là il y a Veloluffy contre Naima en demi-loser aussi. Donc je vais essayer de les trouver là. Naima versus Aero. Non, c'est pas ça. Attends. Donc là, non, c'est ça, c'est bien ça. Hein. Donc la finale, winner c'est Zaggy contre Max. Et la demi-finale, loser, c'est pas encore. Donc pour l'instant, c'est pas. La fille, il n'y a pas encore tous les persos, c'est faux. Donc faut attendre un peu. Allez Max, attends Max, c'est du final. Donc c'est parti Max versus Zaggy. Allez, final winner. Bon, ça n'a pas marché. Je relance. C'est bon. Cette fois-ci, ça marche. Allez, c'est parti. Max 31, la Camille de la mort, versus Zaggy, la Chun-Li de la mort aussi. Donc là, il y a deux excellents joueurs de leurs persos respectifs. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, déjà, ça commence sec. Et une deuxième chope. S'il ne connaît pas Camille, Zaggy, il va avoir du mal. Pas si ouais, il doit déjà avoir joué avec lui, je pense. Donc il faut faire très attention à cette chope là qui est vraiment, oh là là, le setup il est vraiment aussi monstrueux aussi avec le light punch. Et voilà, ah bon, Camille qui chope Chun-Li, c'est possible ça, je ne savais point. Allez, c'est parti, premier round pour Max. Et encore cette chope. Mais il fait. Oh là là, mais ce setup il est trop monstrueux. Bah, apparemment il doit avoir du mal contre Camille. Contre ouais, Camille. Parce que franchement, il faut jouer des heures et des heures contre Max pour déjà le comprendre. Comment il joue. Il faut pas se. C'est très compliqué de jouer contre lui. Que ce soit dans le zoning ou dans la pression qui te met une telle pression que. Je sais presque pas quoi faire. Alors qu'il faut garder son sang-froid, mais pas manger des coups en même temps. Allez, c'est parti. Voilà, la chope. Et voilà. Et ça, c'est monstrueux. Ça, on le mange. Peu importe. Et le setup derrière contre Chun-Li, il marche, mais à la perfection. Donc, deuxième match. Premier round pour Max avec la Camille. Allez. Là, il va falloir s'accrocher Zaggy parce que là. Oula, stun! Bon, là, il faut max dégâts. Voilà, max dégâts. C'était un grattage le dernier, je crois, ou je sais pas. Oula, ça zone. Et ça, alors là, cet anti-air, mais qu'est-ce qu'il est puissant! Et voilà, là, c'est la même. Je vous dis, un décalage pour choper, mais il chope pas. Et c'est l'autre qui mange le coup parce que la hitbox de Camille elle se modifie au corps à corps. Oula, la chope.
Et voilà, il remange, ça chope, et le setup derrière, il a pas essayé. Il a pas essayé de le faire. Attention, il y a la super qui va. Ouh là là. Aïe aïe aïe, il a raté son délire. Il a raté son délire. Il a raté. Il a raté son délire. Il a raté. Qu'est-ce qu'il va gratter? C'est parti. Et c'est la victoire de Max 31. Très très bien joué de la part de Max. Et bon, il faut que Zagui s'entraîne un peu plus contre la Camille de Max, parce que c'est vraiment Max la menace. Ouais, franchement, elle te bouffe le cerveau, la Camille, mais c'est effarant. Allez, c'est parti. Donc, les prochains matchs seront les suivants. Donc là, il y a en lice, en loser. Donc, DAF 35, Kuni, Vélo Luffy, Naïma. Donc là, c'est Vélo Luffy, DAF 35. Ouh, je délire. Non. J'arrive pas à lire le. Là, je sais pas si c'est les deux. Ce tableau-là, là, la fin du loser, là, j'arrive pas à le lire. Enfin, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à capter le délire là. C'est qui? C'est Kuni contre DAF 35 ou Kuni? Là, c'est Max, il a gagné, ouais. Old Yassine. Ah, il y a Old Yassine encore. Ah, voilà, c'est Old Yassine. Ah, voilà, ça y est, là, maintenant j'ai compris. Donc c'est Kuni contre Old Yassine là maintenant. On va suivre ce match tout de suite. Allez, c'est parti. Old Yassine versus Kuni. Donc boxeur. Enfin, s'il joue boxeur. Non, il joue Zangief. Ah ouais. Il me dit pas qu'il joue Zangief. Il dit jure Yassine, il joue Zangief. Non. Il a fada de jouer Zangief. S'il joue Zangief, il a fada. Pas du camp. Old Yassine, tu vas écouter ce streaming et je le dis, ta fada, d'où il est où le boxeur? Sérieux? Le type! Je dis pas qu'il est pas tchak ton Zangief. Hein. Mais bon, c'est. Boxeur. Tout le monde joue ses persos, leurs persos respectifs. Qu'est-ce que tu fous avec Zangief? On a rien à foutre de Zangief. Allez, c'est parti. Mais il a un très bon Zangief. Dans le Reversal Tatsu qui a cassé son. Oh là là. Et bam, et bam. Aïe aïe aïe. Et voilà, Reversal 3-6. Très bien joué de la part de Old Yassine. Néanmoins, il a, je pense, un bon Zangief. Mais bon, rien à voir avec son perso, son boxeur. Allez, il mange le tatsu, qu'est-ce qui va se passer? Il est dans le coin, il mange la super, il va manger un perfect, la pinte, et il a mangé un perfect. Et voilà comment on mange un perfect en choisissant un autre perso que son perso principal. Ça, Old Yassine, Starbuck. Allez, c'est parti. Bon. Là pour l'instant ça se passe bien pour Kuni. Ils zone assez bien Zangief. Et il faut pas oublier que Zangief c'est le tueur de Shoto. Zangief est très très bon contre les Shoto. Hein. Il passe à travers les boules et au corps à corps c'est compliqué. Hein. Avec Ryu. Et voilà, il gagne son premier match. Très bien joué. Si le Zangief il se déplace bien et il arrive à minder les boules pour se passer à travers bien comme il faut et à zoner, et il rate pas ses 3-6 et ses décalages, eh ben, c'est très très dur pour un Shoto de manger, enfin pour un Ryu ou un Ken de. On dira pas Shoto parce que après il y a Gaël et Gaël c'est pas la même.
Gaël contre Zangief, c'est vraiment pas du tout la même que Ryu contre Zangief ou Ken. Ouh là là. Là, encore un coup et c'est stun, mais bien joué. Il a sauté quand il fallait. Ben là, ça c'est l'Okizeme de départ. Et c'est une chance sur deux, mais souvent, souvent Zangief quand il saute, ouais, il a raté son. C'est même pas un reversal, donc son tic trop, il a raté. Mais c'est très bien joué parce que en fait, c'est un OS, donc si ça sort, ça sort. Si ça sort pas, ben voilà, il se garde. Très bien joué de la part d'Oliacine qui a su vraiment gérer le Ryu de Kuni et qui s'est qualifié très très bien. Donc là, comme ça, je loupe un match. Donc là, je risque pas de louper un match puisque donc c'est Zagi qui est passé en loser là, si vous voyez en finale loser. Donc Oliacine qui s'est qualifié. Je vous assure que j'ai du mal à lire le. Ah oui, il va monter ici. Donc en finale loser. Et donc attends, il y a les deux. Il y en a un des deux qui passe. Ah non, voilà, il monte. Ah d'accord. Ok, désolé. Je sais même pas lire au tableau. Donc c'est Dap35 contre Oliacine. Donc je lance ça tout de suite. Enfin, ils vont le lancer sûrement bientôt. D'accord, j'ai compris maintenant. Et il y a un problème sur la branche supérieure là. Je comprends pas pourquoi la branche supérieure là, il manque des gens ou quoi? Ils sont où les énergumènes? C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres fermées là. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais franchement, les gars, 2x, c'est la vie. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué parce que les gars, en ce moment, je joue à Killer Instinct. Là, voilà. Donc, depuis que la Xbox One est sortie, eh bien, je me suis mis à jouer un peu à Killer Instinct. Et franchement, j'aurais bien aimé streamer du Killer Instinct par exemple. Mais c'est un peu compliqué. Il me faut une carte, le truc. Donc, c'est un peu chelou. Donc, le match est lancé. Dap 35 contre Oliacine. Qu'est-ce qui se passe? C'est des synchros, c'est quoi? Ça marche pas? Qui êtes-vous? S'il vous plaît, venez! Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, voilà, il relance. Il doit avoir un problème de manette ou un truc comme ça. Allez, c'est parti! Donc Old Yacine versus Dave 35. Je voulais le dire en anglais, j'ai zappé comment on dit 35 en anglais. 50, attends, putain, 25. Non, 25 c'est 25. Un truc de ouf, je m'en rappelle plus. Allez, c'est parti. Donc le Zangief de Old Yacine contre la Chun-Li de Dark 35. C'est parti pour la une des demi-finales loser. Non, en fait c'était la quart avant et là c'est la demi-loser. Non, même pas, putain, mais qu'est-ce que je suis un sac. À demi, oui, c'est ça, demi-finale loser. Ouh là là, ça va gratter à la mort au décalage HK. Eh bien, elle est passée la super. Hein. Alors, je sais pas exactement ce que c'est Chun-Li Zangief. Il y a le zoning de Chun-Li qui peut faire chier Zangief. Et là, ça va gratter aux 1000 pieds souvent, très souvent même. Aïe aïe aïe! Ah, c'est très bien joué de la part de Zangief. Là, il lui met la pression. Et là, ça va zoner! Oula, ouais, il a failli manger 3 3 6 à la relevée.
Dev35 là qui gère quand même le gorille. Ouh là là, il a réussi à garder. Là, c'est compliqué pour Zangief là, pour ne serait-ce qu'avancer vers Chun-Li là. C'est vraiment très dur. Hein. Mais c'est bien joué de la part de Dev35 qui gagne son premier match. Allez, c'est parti pour le deuxième match. Donc, comme vous pouvez voir, Old Yacine a choisi Zangief. Pourquoi? Si, pourquoi ça? On le saura jamais. Allez. Ouh, très bien joué. Il a mis ça, mais qu'est-ce qui se passe? Il a raté son 3-6. Oula, décalage. Ah, c'est dur là, il lui a mis dans le coin là. Ah ouais, bien joué. Allez. Donc un zoning de la part de Chun-Li là. Elle va le zoner, de toute façon, elle va le zoner. Elle ne laisse pas avancer. Elle décale balayette. Oh, c'est très bien joué. Zangief, il le met stun en 3 coups. Eh, ça fait la deuxième fois qu'il rate. Qu'est-ce que c'est ces conneries là? Alors, ou ça lag pour eux, ou j'en sais rien. Et voilà. Allez, une super au ralenti. Franchement, erreur grave. Hein. 2 fois qu'il met stun et 2 fois qu'il punit pas derrière. Ah, c'est dommage. Là, il a perdu 2 rounds alors qu'il devait les gagner. Ah, elle a le temps de mettre une balayette après sa boule, de décaler, de mettre la super, mais c'est monstrueux là. Qu'est-ce que ça fait mal? Bon, ben, imperfect. Hein. C'est très bien joué de la part de Dave 35. Donc, victoire de 35 contre Yacine. Donc. F35 qui va monter en finale loser. Donc en fait c'est Abdel qui manque. En fait c'est le victoire entre c'est ou Abdel ou De Yann. Abdel De Yann. De Yann il est déco déjà, donc c'est pas de lui. Il y a qui se bat en ligne. Oh, sa chambre dans le chat. Je vous mets le chat de. Je vous mets le chat de GPO. Sa chambre sec. Regardez là. Regardez, c'est ici là. Oui, perdre contre Dave 35, c'est honteux, c'est pas bien là. Ah, ça c'est pas bien, sa chambre sec. Ah là là, c'est pas bien. Bon, là, c'est quoi le prochain match là? Donc, on est reparti de table fight play. Hop. Donc Dev 35 est monté en final winner, ça c'est bon. Donc en fait il reste toujours là le résultat là, de la partie supérieure des losers là, de la branche supérieure. Donc j'ai pas compris en fait le délai. Ah oui mais si, mais putain mais je suis vraiment un sac. En fait c'est ceux dans de winner qui descendent sur. Waouh le mec, donc Veloluffy il a perdu contre Zaggy donc il est descendu ici. Et Dev 35 il a perdu contre Max donc il est descendu ici. Ok donc ces deux ils sont descendus ici. Naima aussi il est descendu ici. Et il est où? Naima! Ah non justement donc il y a quelqu'un qui doit descendre ici. Et c'est. Si c'est. Je te jure, j'arrive pas à comprendre le délire. C'est un truc de ouf. Le Luffy il est là, Naïm est là. Déjà ceux-là ils sont sortis. Old Yacine. Old Yacine. Ah oui, c'est là. Et non, c'est ceux qui montent de là. Donc ça doit être Aéro.
ou Abdel et Amandjouji. Naïma, il est monté là. Donc il y a Aïro ou Abdel qui doit monter. Donc qui c'est qui joue là? On va voir qui c'est qui est en train de jouer en mid. Donc c'est ça. Donc apparemment c'est ça le match. Donc Dove 35 contre Veloluffy. Ouais, ben Veloluffy il est monté mais ils n'ont pas validé. Ah putain les gars, qu'est-ce que vous faites là? Allez, c'est parti, Ryo, Veloluffy versus Dave 35. Qui vient de se qualifier pour la finale loser. Donc un des deux va se qualifier pour la finale loser, si je comprends bien. Si je comprends pas, c'est pas grave. Allez, premier round pour Veloluffy. Si c'est premier round, parce que je suis même pas sûr que c'est le premier round, c'est peut-être. Oh, très bien joué l'entière là de HP. J'aime beaucoup. Allez, le coup qui fait chier. Mais c'est vraiment le coup qui fait chier. Oh, la chope. Très bien joué de la part de 35 ans. Il a su prendre l'ascendant sur son adversaire. Allez. Le zoning à la boule. Ah, très bien joué. Alors là, Veloluffy, là, vraiment, il a assuré grave. Et le décalage choc qui. Ah, et reversal for you. Ah, c'est vraiment bien joué. Donc, voilà, c'est bien le premier match. Donc, Veloluffy prend son premier match. Fight! Allez, c'est parti. Un trade, c'est très mal, ça trade beaucoup. Avec le HK de Chun-Li qui touche très loin, qui touche les startups de boules et même les recoveries, enfin qui fait des trades. Oh là là, là il a géré. Le 35 l'a géré. Allez, au quinzième du départ, parfait. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, il a puni le startup du Hadouken. Avec un HP. Bien joué. Allez, là, c'est à celui qui. Oh, la punition, elle a raté. Attention, la super est là. Ouh là là. Ouh là là, la chope! Et le reversal for you qui sort. Hein. Allez, un round chacun. Attention, il a un Shoryu, j'ai dit, il a un Shoryu. Il y a ceux qui n'ont pas de Shoryu, il y a ceux qui en ont, lui il en a un. Alors, il faut pas sauter sur quelqu'un qui a un Shoryu. Il y a une. Oh là là, le zoning de boule, là il est coincé là. Il sait pas quoi faire, il y a la super, il y a la super de Ryu. Oh, il la met en trade, mais il la met. Très bien, très très bon retour là de Ryu là. Ah, qui a gagné en fait. Ah, il y avait 1-1. Donc victoire de Veloluffy. Donc qualification donc, de Veloluffy. Donc final loser Zaggy contre Veloluffy. Je vous mets ça de suite. Dès que c'est bon. Vélo, ben, Vélociraptor. Bon, je note Zaggy comme ça. Joli jeu, très bien joué, de la part de Zulu aussi. Et d'apprendre aussi, il a très bien joué. Oh, le passement, en fait, c'est pendant ça qu'il en fait, je vous dis que c'était pas prévu en fait que je stream de pendant ça qu'il. Ça fait 2 jours que j'essaye de configurer mon logiciel de streaming pour streamer un peu de 2x parce que j'avais besoin d'un peu de streaming de 2x. Et en fait, puis quand j'arrive à configurer le délire, bah si je vais charger les pots pour faire le délire, je tombe en fait sur le tournoi Fight Play. Donc, ah, le match est lancé, donc je lance le match Zaggy versus Veloluffy. Ah, désolé, je vais trop parler. J'ai fait de la merde, premier round pour Zaggy.
Ah non, jure, c'est fini, mais non, c'est un truc de ouf. C'est impossible. La porte ouverte, tu laisses la fenêtre fermée, c'est impossible. Je disais, les rameaux, ça bugait. Ah non, t'as shut down. Qu'est-ce qui s'est passé là au juste? Que là, apparemment, ça shut down ou c'est moi qui délire? Non, non, ça shut down, je crois. Bon, je sais pas ce qui s'est passé exactement. J'ai raté le match, quoi. Je sais Match down. Merde, il m'a raté. Doc et Aero a perdu contre Vélo Luffy. Tiens, les types, ils n'ont pas mis à jour le braquette là sur le truc là. Non, je sais pas si je vais maintenant. Après, je vais compter déjà à mort, rien de fini. Zadie, Versus. C'est quoi ce qu'il dit là? Vélo. Ah voilà, là ils viennent de valider à la bourre, mais... Pardon, j'ai arrêté. En fait, j'ai trop mangé. Bon, normalement, là, il devrait avoir un match. Zaggy versus Vélo. Mais là, apparemment, il est down. En fait, en plus, c'est un match qui a déjà été fait. Il faut pas rencontrer les Japs dans le tournoi. Donc là, what happened Barry? Where is Barry? Well, I'm sorry, Barry, probably. Roi Ferrero, Unaima a perdu contre Vélo. J'ai tant de besoin que je suis. Tiens, c'est très bon. C'est très stylé. Lol. Ah, c'est bon, Vélo il est de retour. Je suis un reste tout involontaire. Je dis un peu plus. Bon, là je pense que ça va reprendre parce que Vélo il est de retour. Et voilà, c'est reparti.
Allez, c'est parti. Donc, le match de finale loser, il va. Donc, c'est Vélo Luffy versus Zaggy. Donc, excellente Chun-Li. Et Vélo, et qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a quoi? La manette, elle est pas branchée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Donc, attends, apparemment, là, il y a un problème. Donc, là, c'est bon. Donc, ils vont restart là. Là, c'est bon. Alors, je sais pas ce qui s'est passé le premier round. Sais vraiment pas ce qui s'est passé le premier round. Bon. C'est peut-être une désynchro, mais là, en tout cas, ça marche bien. Donc, I don't Ouh là là, très bien joué le décalage, le Solar Plexus pour avancer. Super buffé juste derrière. Allez, ça attaque sec avec Vélo qui avance. Il coince Chun-Li au mur, qui cherche sa super. Il a besoin de sa super en fait, Ryu. Là, il lui faut la super. Il faut qu'il charge l'infini. L'entière de Chun-Li qui est très très bon. Et le zone. Attention, elle est dans le coin. Là, il va la zoner à la boule. Allez, boule trap. Et il a grillé sa super, le Shoryu parfait. Un décalage Solar Plexus. Oh là là. Attention, la Chun-Li, elle est là, elle est là, elle est présente, elle lui met la pression, mais là, le Ryu, là, il est bon, là. La Vélo, il est bon. Très serré. Il va charger sa super, et là, il a la super, là. Maintenant, là. Et là, sur le décalage shot, très bien joué. Franchement, Zaggy, il a très, très bien fait de décaler shot, parce que c'est, il a sûrement bourré la super, mais elle n'est pas sortie. Très bien joué. Allez, le premier match pour Zaggy, donc qui a fait un parcours vraiment impressionnant. Le seul qui l'a fait peur, c'est la Camille de la la Camille de la mort. Ouais. Donc maximum la menace qui fait fureur avec sa Camille. Donc là, un match très serré quand même, ça reste très serré. Ouh là 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 là! Elle a raté son bas médium, je pense, mais la super est sortie, elle a fait des dégâts. Allez. Bon là, ils vont charger, ils vont zoner jusqu'à charger leur super. Souvent, ce qui se passe, c'est que tout change après que la super soit chargée. Donc là, l'objectif, c'est de charger sa super. Dès qu'on a la super, il faut bien la placer. Donc les deux ont leur super, leur stratégie va changer. Ouh là là! En cross down, la super qui sort. Souvent, c'est le même. Des fois, elle sort automatiquement. En fait, dès que la personne passe un cross-up, ça active la direction et il suffit d'appuyer sur le bouton et ça sort. Surtout qu'en plus, elle est buffable, c'est super. Et ça sort très facilement. Il m'est arrivé à plusieurs reprises tout à l'heure. Donc, ben c'est très serré. Il y a un round chacun. La super chargée pour Ryu. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? La super des deux côtés, voilà, il lui a fait la même. C'est vraiment puissant quand même, ces super qui sortent en cross down. Quasiment automatiquement, le Shoryu qui est très très bien placé, décalage shop. Il est dans le coin, là il va lui mettre une frame trap. La shop de Chun-Li qui est vraiment monstrueuse. Ouh, la punition du Tatsu qui est très très bien faite. Réaction très rapide de Zaggy et il a puni directement le Tatsu. Le Tatsu fuite. Bon, ben, c'est carrément serré. Donc, la belle, enfin, le dernier round, le dernier match. Oula! Décalage chop qui est anéanti par un Shoryu dans l'estomac. Décalage chop, il est dans le coin, il va lui trapper, il va le trapper, il va lui mettre des boules, il va le mettre dans le coin. La super de Ryu qui vient de le charger. Attention. Et voilà. La super des deux côtés, le décalage, qui c'est qui va mettre la super? C'est très serré. Aïe! Ah ouais, le Tatsu cross-up là, aérien. Allez, la belle,
Balle de match pour le Ryu de Velo Luffy. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Franchement, la chenille de Zaggy, elle peut carrément le faire. Oh là là, la punition du Tatsu à l'entière. Vraiment génial. L'entière, encore une fois, qui est vraiment très bien joué. Oh là là! La super. Je pense que c'était la super qu'il a essayé de sortir plusieurs fois. Il n'est pas sorti. Attention! Oh là là! Il lui bouffe le cerveau. Il rush, il lui bouffe le cerveau. Là, Chun-Li. Zaggy, là, il est. Il faut pas qu'il perde son sang-froid. Aïe, aïe, aïe. Les décalages, oh, c'est magnifique. Très bien joué de la part de Velo Luffy. C'était parfait. Donc, il a gagné les deux rounds. Il a gagné son match de finale loser. Oui, de finale loser. Donc, maintenant, c'est parti pour la grande finale winner. Eh bien, c'est GG à ces deux joueurs qui sont vraiment très très bien joués. Et bon, ben, Velo Luffy l'a dominé. C'est très très compliqué en fait. C'est très très dur. Ce jeu est dur. Ce jeu est cruel. Ce jeu est magnifique. Donc, la grande finale qui va. Qui va pas tarder. Donc, c'est Velo Luffy versus Max la Menace. Allez. Allez, grande finale. Pour ceux qui ont suivi les streamings, ceux qui sont venus un peu tard. Donc voilà. J'ai fait ce streaming, c'était pas prémédité, c'était pas pour le tournoi Fight Play, mais ça tombait très bien. Donc j'en ai profité pour voir le tournoi Fight Play. Je me suis fait défoncer, j'ai perdu tous mes matchs d'entrée, cash. Donc il y a choisir où tu fais le streaming, ou sinon tu joues au jeu. Bon, c'est ainsi, je joue pas beaucoup à 2X. Donc, il faut que je retienne un peu parce que. Ah oui, vous le savez déjà peut-être, mais le X-Mania Europe a été annoncé de retour pour cette année. Donc, faites chauffer les sticks. C'est ce que je vais faire aussi. Il va falloir s'entraîner. Parce que là, ça va être chaud! Cacao! Chaud! Ah! BCD! Bon, allez, la finale. Velo Luffy versus Max la Menace. Et c'est parti. La grande finale de ce tournoi Fight Play du 30 janvier 2014. Allez. Donc c'est pas un mystère en fait, les joueurs qui arrivent dans les tournois en finale ou dans le tableau très bien classé, ben c'est souvent toujours les mêmes parce qu'ils ont vraiment. Bon, là ça peut marcher, ils n'ont pas réussi à se rencontrer. Il y a des joueurs qui ont vraiment atteint un niveau où en fait, dans les tournois, ils sont souvent parmi les finalistes. Donc voilà, c'est relancé. On a juste à faire marcher là. Allez, c'est bon, ça marche. Grande finale de ce tournoi Fight Play du 30 janvier 2014. Max 31 J, la menace versus Velo Luffy. Bon les gars, s'il vous plaît, il faut choisir. Qu'est-ce qui se passe?
Fight. Donc, bon. Ils vont sûrement restaff. Mais au moins, ils sont connectés. Et ça marche. Allez, un petit F3 pour lancer le délire. Bon, il y a apparemment un petit problème de configuration de touche. Donc il faut les laisser configurer. Je vais jeter un coup d'œil sur le stream pour voir si. Allez, allez, allez! Max, qu'est-ce qu'il fout? Enfin, Max ou Vélo Luffy? Ah non, c'est Vélo Luffy là qui arrache quitte les boutons. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense que ça va restart là. Bon, je relance, on sait jamais que c'est moi qui désynchro ou un délire comme ça là. J'aurais pas raté la finale, la grande finale. Voilà. Ça doit être bon là. Je pense. Bon, mais on attend que qu'il se décide. Bon, ben, je décide toujours pas qu'est-ce qui se passe. J'ai noté la performance dans le corps. Non, apparemment, Vélo Luffy, il a un petit souci. Parce que je le vois connecté et. Ouais, il y a un petit souci. Ah là, il restart. Mais je veux toujours Vélo Luffy connecté dans les. Oh, c'est bizarre. Ah, ça va peut-être marcher là. Voilà. Ça va être bon là. Allez, c'est parti. Max 31 versus Vélo Luffy. Grande finale de ce tournoi Fate Play. Allez, c'est parti. Là, le zoning là, toujours la même là. Là, le zoning de Ryu doit être. Voilà, là, il faut pas qu'il le laisse. Parce que le zoning de Max là, le pressing de Max, il est vraiment. Et voilà. La shop, je sais même pas comment elle s'appelle cette shop, mais il faut lui donner un nom pété. Ah ouais, là il a poursuivi le Tatsu! Qu'est-ce que c'est bien joué! Donc l'OS, après le HK, il a fait un sur HK ou sur Ryu. Là là, oh là là, deux sur Ryu comme ça là. Ça fait tellement mal au cerveau que on s'en remet pas facilement. Oh là là! Deux hits! Non, non, non. Là, il a perdu son sang-froid là. Camille, là, ça va pas. Là, je sais pas ce qu'il a foutu, Max. Mais là, il a vraiment perdu son sang-froid. Là, il faut se reprendre. Il faut se reprendre, carrément se reprendre. Allez, c'est parti. Donc il y a 1-0 pour Vélo Luffy sur ce. Ouh là là, c'est très bien joué. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, il n'y a rien à dire de la part de Vélo Luffy qui met un pressic, mais magnifique. Ouh, le décalage chop, qu'est-ce qu'il est magnifique, ce décalage chop. Elle se déplace tellement vite que tu n'as même pas le temps de la voir. Elle aurait pu manger une super, mais trop rapide. Très bien joué de la part de Max, qui a su prendre le dessus. La chope de la mort, de la fuerte, de la morte. Ouh là là, qu'est-ce que ça fait mal, il a raté son combo. Il aurait pu mettre stun, le faire très mal. Dans le Shoryu, il le mange très souvent. Aïe aïe aïe, c'est très bien joué de la part de Vélo. C'était au petit saut et décalage près. Allez, il est déjà dans le coin. Qu'est-ce qui va se passer? Ouf! Ah, si, un bon de jeu de boules là. Si la Vélo Luffy continue avec ce jeu de boules là.
Il va vraiment agacer Camille et là. Ouh là là, la chauve, mais qu'est-ce que c'est cette chauve? C'est incroyable. Quel bon pressing. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça va faire mal? Quel combo incroyable! La remontée de Max 31. L'entière et le décalage, mais quel combo, mais quel retour de situation, mais à la 2x, mais c'était incroyable, ce combo est magnifique. Alors là, je le sens qui bouillonne parce que c'est trop mortel. On ne s'y attend pas du tout. L'entière de vélo là, le c'est un gros point. Oh là là. Oh là là, là, il lui a mangé le cerveau là. Il lui a mangé le cerveau. Overhead décalé Shoryu derrière pour éviter. C'est vraiment très très bien joué. Là, il lui a bouffé. Premier round qui allait très très vite. Alors là. Ouf. Le bas gros point qui est très bon pour casser les tatsus. Ouh là là, gros point. Aïe aïe aïe, il est stun et c'est fini. Non, il a raté son combo. Qu'est-ce qui va se passer? Non mais là c'est trop 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 abusé. C'était fini. Qu'est-ce qui s'est passé? 2x, ça rend fou. Excusez-moi d'avoir crié parce que j'ai gueulé un peu. Là c'est un peu bizarre. Là c'est chaud. Là mais en plus il a le dessus. La Vélo Luffy joue très très bien. Il arrive à zoner la Camille bien comme il faut. Là qu'est-ce qui se passe? La punition. C'est très très serré. Qu'est-ce qui va se passer? Il a la super. Va-t-il la mettre? Il a quand la. Tac 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 tac. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Il l'a eu. Il l'a eu. Ah là 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 là. Ah non, on est d'accord. Donc c'est un 3 matchs. J'ai pas trop suivi. Donc en tout cas il y a 2 à 1. C'est un 3 matchs alors. C'est possible. Je sais pas du tout. Mais en tout cas là le retournement de situation était monstrueux. Ça punit ou ça punit pas. Oh là là! Il passe à travers. Punition! Erreur! Oh là là! À travers la boule, il lui a mis la super. Donc là, franchement, la Camille de Max est vraiment très très forte. Franchement, elle me terrorise. Et apparemment, il a. Ouh là là, très bien joué. Donc, là, il a bien géré Vélo Luffy. Il a bien géré. Un quasi parfait de la part de Vélo Luffy. Là, s'il y a des bons setups, des bons décalages, des bons cross-ups de Camille, mais qu'est-ce que ça fait mal, ça m'estonne. By Light, vous avez vu ce qui s'est passé? By Light, stand. Ah ouais, ça touche pas. Pas Camille, en tout cas. La hitbox de Camille est vraiment bizarre. La super de Camille, à travers la boule ou pas. Aïe 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 aïe, c'est bien joué. Oula! Ouh là là! Ouh là là, Shoryu, il atteint Shoryu, il a gagné. Il a gagné son match. 3 à 1 pour Max la menace et il gagne le tournoi Fightlet. Vraiment. GG, GG à mort. GG Max, magnifique. GG Max et vélo. Franchement. C'est vraiment comme il dit Aéro. GG les bestioles. Alors franchement, c'est mortel.
Eh bien, vos performances, ont été enregistrées sur le stream Twitch. Enfin, sur ce stream. Bravo. Oh, tu penses. Vraiment, c'est un très bon replay. Et voilà, bon, ben, pour ceux qui sont encore en ligne, ben, je vous remercie d'avoir suivi le streaming. Donc, ça vous plaisir. Un petit tournoi streamé, et ça restera dans les archives. J'ai changé quand même le nom, parce que Live from my Android, ça va changer le nom du. Stream. Je vous remercie d'avoir suivi le stream et n'hésitez pas à envoyer des messages. Que moi, ça fait un moment que je voulais ou regarder du stream français ou le streamer moi-même. En fait, je voulais plutôt le streamer. Ça fait plaisir. Donc, je vous remercie pour tout et bonne soirée à tout le monde. Bye. Et je vais restreamer là. Je vais restreamer des matchs à moi en ligne. Restreamer un peu de musique de temps en temps. Voilà, allez, bonne soirée tout le monde.